Le plus grand satellite que nous avons mis en orbite basse, la Station Spatiale Internationale, est aussi long qu'un terrain de football. Nous l'avons assemblé en pièces détachées lors de plusieurs lancements. Et maintenant, elle tourne autour de la Terre à quelque 400 km au-dessus de nous. Comment pourrions-nous lancer une lune artificielle 10 fois plus grande et la positionner à une telle altitude au-dessus de la surface de la Terre? La plupart des satellites terrestres en orbite basse fonctionnent juste au-dessus de l'ISS. Certains d'entre eux sont stationnés en orbite géostationnaire à environ 35 000 km au-dessus de l'équateur terrestre. La vraie Lune tourne autour de nous à une distance de 380 000 km. Mais nous n'avons pas besoin de placer notre Lune artificielle aussi loin. Nous la placerions quelque part entre la Terre et l'ISS. Là, juste là, c'est un bon endroit, tiens. Nous devrions nous assurer qu'elle maintient une vitesse de 27 400 km/h. Sinon, elle retomberait sur Terre. Nous recouvririons sa surface d'un matériau hautement réfléchissant, pour qu'il puisse réfléchir la lumière du soleil. Ensuite, nous éteindrions nos lumières et profiterions de nuits claires toute l'année. Si vous n'avez pas envie de vous endormir avec les lumières allumées, il faudrait installer des stores très opaques à votre fenêtre. Dommage que les animaux n'aient pas ce luxe à portée de main. Ce nouvel astre pourrait causer des ravages pour les créatures nocturnes qui comptent sur le clair de lune pour s'accoupler, chasser ou naviguer. Trop de lumière la nuit pourrait également perturber votre corps, ce qui entraînerait l'obésité et un risque accru de maladies cardiaques, de diabète et de dépression. La lune artificielle obscurcirait également la vue du ciel naturel. Les télescopes au sol ne pourraient plus capturer d'images de l'espace lointain. Cela pourrait nous amener à renoncer à nos rêves de nous rendre vers des étoiles très éloignées, nous emprisonnant à jamais sur Terre. Alors, place au verdict. Voulons-nous vraiment de cette deuxième lune? Eh bien, certains, oui. Les ingénieurs spatiaux chinois y travaillent déjà. Leur lune ne serait pas seulement 10, mais 80 fois plus grande que l'ISS. Elle brillerait 8 fois plus que la lune naturelle. Et elle permettrait soi-disant à la Chine d'économiser 173 millions de dollars par an en facture d'électricité. Cependant, aucun plan ou stratégie de développement n'ont filtré. Alors, ne soyez pas contrariés si une lune artificielle n'apparaît pas dans le ciel dans un avenir proche. Et ne boudons pas notre belle lune naturelle que nous pourrions coloniser et utiliser comme aéroport cosmique pour nos futurs voyages dans l'espace. Mais ça, c'est une histoire pour un autre, et si. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un coup de pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir chaque semaine le meilleur de « et si ».